Ladies and gentlemen, good evening and welcome to this new edition of Le Balingua News on Paro Creatrice Info TV. Good evening, Adessa. Firstly, the headlines. 10th anniversary of Paro Creatrice Info TV, the train of preparation is launched. The spot for this announcement of the event will be broadcast this weekend within the churches. Seen and heard of this preparation, it is in this news. Evangelist Emmanuel Bechu's trip was last weekend. A look back at some highlights of this sad event will be at the end of this diary. That's all for the titles. The first part of this news is in French language with you, Bertie. Bonsoir chers téléspectateurs, vous êtes sur Paro Creatrice Info Télévision et vous suivez le 20h. Commençons cette édition avec le compte rendu des assemblées mères, Lord Divine Sanctuary, Yahshua Mashiach Tabernacle et Shalom Tabernacle DDA. Suivons attentivement Raïssa Zefak. C'est en plein cœur du message, le troisième exode, que nous débutons la semaine ce mercredi, une semaine qui se poursuit le vendredi, toujours dans le troisième exode, suite et fin. Alors que c'est depuis la semaine passée que ce plat de résistance spirituelle est sur la table du Seigneur. Et il fallait bien que toutes les vitamines, les fers et les fortifiants qui s'y trouvent soient totalement consommés. L'iniquité des Amoréens devait attendre son comble pour qu'il y ait un exode, d'où un pharaon qui n'a point connu Joseph comme instrument entre les mains de Satan et un Moïse pour la paix la sortie comme instrument entre les mains de Dieu. Paragraphe 145 à 154. Aujourd'hui encore, le tableau est devant nos yeux. Mais le Moïse de l'heure pour un exode, c'est Malachi 4. Paragraphe 255, 257 à 258. La semaine tire à sa fin ce dimanche avec l'écoute de la bande Drôle d'oiseau. Ici encore, le Saint-Esprit, pour marquer la différence entre un chrétien de race pure et les autres, il utilise l'expression Drôle d'oiseau. Paragraphe 42 et 45. Il raconte du paragraphe 31 à 34 le témoignage de ce jeune homme qui a assisté à une seule réunion de prière à l'ancien mode et est devenu un drôle d'oiseau. Mais souvenez-vous, juste une seule question. Je suis fou de Jésus. Et toi, de qui es-tu fou? C'est dans la grande atmosphère qui entoure cette question que nous clôturons la première partie de l'écoute de ce message ce dimanche. Dimanche dernier, après la mi-journée de prédication, les chrétiens ont une fois de plus assisté à la réunion de prière. Laetitia Vogo y a participé. Écoutons son reportage. Dieu démontrant toujours qu'il est le Dieu des temps et des circonstances, et qu'à travers la prière, il change toutes les situations. Dimanche 20 février 2022, les chrétiens du Yahshua HaMashiach Tabernacle, du Love Divine Sanctuary et du Shalom Tabernacle et des Deya ont encore une fois de plus expérimenté le surnaturel à travers la prière des malades. Afin d'élever la foi des chrétiens, le pasteur en banc du Yahshua HaMashiach Tabernacle a pris pour test d'appui nombre 17, du verset 1 à 17, et exhorta le peuple sur le fait que, quand Dieu descend, c'est pour confirmer sa parole. Il nous suffit juste d'avoir la bonne attitude. Du côté de Douala, le pasteur Esso lut dans Jean 9, du verset 1 à 12, et martellera l'Église sur le fait que Jésus-Christ est le jour, il est la lumière. Il est certaines situations nous arriver pour manifester sa gloire. Du côté d'Edea, c'est au frère et tantôt au mari d'apporter une exhortation. Et lira dans Éphésiens 8, du verset 10 à 18, et parlera de la puissance de la langue. C'est après ces différentes exhortations que nous pouvons passer à la ligne des prières. À travers cela, le Seigneur Jésus-Christ agira à travers le discernement et beaucoup en seront graciés. Une semaine d'activité pour honorer la mémoire de l'évangéliste Emmanuel Mbetchou, suivant le reportage de Baneno Zungia. Un héros ne meurt jamais, dit le dicton. Et selon la parole de Dieu, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. À l'occasion du deuil du révérend Mbetchou Emmanuel, les chrétiens de divers horizons étaient au rendez-vous à Douala pour rendre un dernier hommage à ce grand évangéliste qui a si bien rempli son ministère. Selon ses dernières volontés, ses obsèques ont été précédées par une campagne d'évangélisation qui a débuté du samedi 12 février au jeudi 17 février 2022. Plusieurs âmes ayant été gagnées
pour le ciel. La dépouille a été conduite à sa dernière demeure, à son village natal, à Kobapa-Bazou, à l'ouest Cameroun, pour être inhumée le samedi 19 février. Que son âme repose en paix et puisse le Seigneur consoler la famille éprouvée. La 56e édition de la fête de la jeunesse sur le territoire camerounais avait pour thème « Jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun ». Christelle Moukodi nous en dit plus. Après une édition sans mouvement, la jeunesse camerounaise va défiler devant les autorités administratives sur toute l'étendue du territoire. En ce 11 février 2022, jour de célébration de la 56e édition de la fête de la jeunesse, élèves, étudiants, ceux issus des écoles de formation et travailleurs ont renoué avec la coutume du défilé après avoir été privés en 2021 à cause de la pandémie du coronavirus. La jeunesse n'a pas manqué un seul instant d'exprimer sa joie. Je suis l'élève de Manon. C'est la première fois que, en fait, que je participe à cette fête de la jeunesse. Et je suis très ému que le scouting nous ait reçu aussi vaillamment. En application des gestes barrières, les autorités ont trouvé bon de décentraliser le défilé jusque dans les quartiers et dans les villages pour éviter de grands rassemblements. Un conseiller de jeunesse et d'animation exprime également sa joie dans cet extrait. Merci au comité d'organisation. C'est vrai qu'après 2 années, on a eu des festivités comme celle-ci. Nous sommes déjà très fiers d'avoir participé. Surtout les jeunes du quartier 4 qui représentent l'OJRDPC et plus les écoles. Nous sommes fiers et que prochainement, que la fête continue et que l'organisation soit toujours pareille. Christelle Moukodi pour Parents Créatrices Info Télévision. En santé, Josiane Dilo nous parlera des bienfaits du sommeil sur la santé. Je vous propose de l'écouter. Le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil. Il est caractérisé par une perte de vigilance et une diminution du tonus musculaire. Chercheurs et médecins ne le répéteront jamais assez. Bien dormir est essentiel. Dormir permet de récupérer. C'est comme nos téléphones. Nous avons besoin chaque nuit, besoin de recharger nos batteries afin de fonctionner efficacement et durablement. Dormir permet de booster son système immunitaire pour se défendre des agressions et petits microbes au quotidien, mais également de prévenir les maladies potentiellement plus graves comme les maladies cardiovasculaires et les maladies neurologiques. Dormir diminue le mauvais stress et les effets néfastes sur l'organisme. Dormir aide à combattre les troubles de l'humeur. Dormir stimule et consolide les apprentissages. Dormir aide à réguler son métabolisme. Dormir préserve le capital jeunesse. Dormir favorise les relations sociales car une bonne nuit nous rend de bonne humeur. Alors, la durée de sommeil idéale par rapport à nos âges sont à l'âge de 6 à 13 ans, la durée de sommeil est de 9 à 11 heures. Les adolescents de 14 à 17 ans, la durée de sommeil de 8 à 10 heures. Les jeunes adultes de 18 à 25 ans, la durée de sommeil est de 7 à 9 heures. Les adultes de 26 à 64 ans, la durée de sommeil est de 7 à 9 heures du temps. Pour résumer, il faut se coucher entre 22h et 22h30 et l'heure idéale pour se lever, c'est 4h ou 6h du matin. Dormir rend plus fort, plus beau, plus heureux. Prendre soin de soi commence d'abord par prendre soin de son sommeil. À très bientôt pour une prochaine édition Josangelo PCI. C'est un grand pas que la grande équipe de Parents Créatrices à Info Télévision a commencé le travail d'organisation de son 10e anniversaire. Le compte à rebours est lancé. Le récit d'Esther Madimba. À 150 jours de la célébration de ses 10 ans d'existence, Parole Créatrice Info Télévision est déjà sur les pas de l'organisation de cette dite grande célébration. Comme son fondateur, le pasteur Baoya Samuel, l'a si bien dit au précédent événement, le 10e doit être différent, grand, ambitieux, avec des réalisations concrètes en main. L'équipe l'a bien comprise.
non seulement avec des grandes visions, mais aussi en pratique, la main à la pâte, les commissions mises en place, le travail de terrain est bel et bien effectué. Il faut dire que le train de cette belle organisation est déjà lancé. Il fallait donc s'attendre aux surprises très agréables. Parole créatrice Info Télévision sera donc heureuse de vous compter parmi ses convives du 23 juillet prochain. Campagne d'évangélisation à Zio, à Kribi, les deux premières journées ont drainé des foules. Notre reporter Ghislaine Gangay y était, voici son reportage. Ils sont venus nombreux à l'appel du Seigneur pour expérimenter ses merveilles. À la faveur de cette campagne d'évangélisation en Zio, à Kribi, cette ville touristique aux attractions diverses, où germent toutes sortes de déviances et de perversités. Oui, c'est dans cette localité où se sont tenus les premiers jours de campagne, animés par des chants de louanges et d'adoration, mais aussi de prédication, avec, comme premier orateur, le frère Cassie. Le Dieu responsable, c'était le thème développé qui était soutenu par le texte de Genèse 2, versets 1 à 9, rappelant à l'assistance que Dieu a tout préparé pour le bonheur de ses enfants. La moisson sera grande, 10 personnes accepteront de donner leur vie au Seigneur, grâce au Seigneur Jésus-Christ manifesté au travers de la forte équipe du commando du Lord Divine Sanctuary. Commencée le 23 février 2022, cette campagne d'évangélisation s'achèvera ce dimanche 27 février 2022. The Christians of the Mother Assemblies under the Creative Word Ministry met for various services last week. Edda McKinney's report. We listened last week to the tape, The Third Exodus. The Third Exodus is only for the elected. The Second Exodus led the children of God from a spiritual country to the baptism of the Holy Spirit. And the third one will lead them to the millennium. Spiritual thought understands it easily, but the thought of the intellect cannot. The all-night prayers was characterized with many interventions, like that of our pastor Baoye Samuel, who told us Asa's prayer in 2 Chronicles chapter 14, verse 10. On Sunday, we started listening to the message, an oddball, in which the prophet of this age explained that in each age, God uses a man who is a naughty for his generation. So we must not be ashamed to be called naughty because we are all fools for Jesus. A long week full of activities honor the memory of the preeminent evangelist Bethu Emmanuel ended his laying to rest at the natal village. Celestine Tunwi was part of these activities and brought back to us this report. We worship you, Lord, we worship you, Lord, we worship you, Jehovah Almighty. From the 12th to the 19th of February 2022, activities and ceremonies were organized to commemorate the departure of evangelist Bethu Emmanuel and his subsequent burial. From his recommendation before his death, these week-long activities were geared towards winning souls for Christ, as it was his calling as an evangelist. His children, Christians, evangelists, and pastors took this recommendation in heart as they actively took part in all the evangelism activities in his base in Douala. From Douala, his mortal remains were carried to his natal village at Kuba to be laid to rest. Dear televiewers, for a long week of activities beginning at Douala, we have been following the burial program of Pastor Evangelist Bethu Emmanuel, and here we are in his natal village of Kuba in the Bazu Subdivision, the 8th Division of the Southwest of the West Region, and this is where we are laying him at his natal village. And we believe that you have been following us very well. We were here on the field with some of our coordinators, like Esther in the Southwest and Northwest Region,
like Christelle in the Mungo region, like Sarangongang, who is in charge of the Brigade of Special Communication, and our brother Ambassador, who accompanied us here on the field. And this is where we lay our reverend, our evangelist, Mbojo Emmanuel. Thank you. Benjamin Franklin once said, I quote, by failing to prepare, you are preparing to fail, end of quote. It is in this light that the preparation for the 10th anniversary of Parokia Tresenfo TV scheduled for the July 2022 has begun as earlier as this month of February. Nuelando with more details. The 9th anniversary of Creative World Information TV was celebrated in July last year in great style. This then leaves expectations for an even better feast this year. Reason why preparations have been launched as early as 5 months to the D-Day. Members of Creative World Information TV have begun chipping in their contribution and suggestions. The different committees are gradually being set up, and those already set can be soon going about the different activities. Sensitization, the different assemblies, as well as on the different platforms, will be launched this Sunday. The feast promises to be an unforgettable one, as many surprises are on the way. Prayer is the key, the answer. Prayer changes things. Prayer is the mightiest weapon ever placed under the human control. In order to use this weapon, Christians of the Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, Love Divine Sanctuary Douala, Shalom Tabernacle Deya, had another prayer and healing service this last Sunday at some 5:30 p.m. This news in full with Promise Wongli. Christians of Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, Love Divine Sanctuary Douala, Shalom Tabernacle Deya, and other sister churches attached to Creative World Ministries had another mighty evening service of prayer, healing, deliverance, and prophecy this Sunday last. A warm and deep moment of praise and worship of about 30 minutes cleared the heart and set them ready for the upcoming articulations of the service. In Douala, the word was brought by Pastor Esokum. He read in John 9 from verse 1 to 12, and Jesus Christ is the day, he is the light, was his head word. And he heard, and precise prophecy came just after the word, then the individual prayer line. Moreover, in Yaoundé, the word was brought by Pastor Christian Umban in order to raise the faith of the Christians. The evening was buckled by a baptismal service. Lastly, in Edeo, the manna was delivered by Brother Romaric Tanto under the theme, The Power of the Tongue, drawn from Ephesians 6 from 10 to 18, after then came the prophetic prayer line. Fin de ce journal, vous avez suivi dans cette édition les préparatifs du 10e anniversaire de Parocréatrice Info Télévision avec les spots à effet d'annonce. Également le dernier voyage de l'évangéliste Emmanuel Mbechu avec quelques temps forts. Cette édition a bénéficié de l'assistance de toute l'équipe de production, collaboration, le frère Jules-Pierre Mounet, coordination générale, le frère Ghislain Ganguet, supervision générale, l'apôtre Samuel Baoya.